J'ai une nouvelle maison. Par contre, dans 48 heures, les invités arrivent pour fêter ma nouvelle maison. Donc faut que je me dépêche. Les gars, regardez-moi cette maison. Y'a rien qui est fait, je sais même pas la couleur des murs, ce que je vais faire. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est énorme, il y a deux étages. Mon studio, je vais le mettre ici. Et derrière ça, les gars, je vous montre pas maintenant, je vous laisse la surprise pour la fin. Mais il y a un jardin énorme. Comme je vous l'ai dit, il y a un étage en haut. Mais je vous laisse la surprise pour tout à l'heure. Et là, de toute façon, on n'a pas le temps, on doit aller acheter la peinture. Trouver les couleurs pour la peinture, acheter tous les meubles. Il y a trop de trucs à acheter, on y va, c'est parti. 48 heures, c'est faisable ou pas? Ah oui, même 24. 24 heures? Bah attends, on change le titre là, on fait 24 heures. Hein. Eh, on a déjà fait un courrier en 24 heures. Hein. Ah oui. Je lui ai fait vers toutes les misères du monde. Je viens de crever. Ça coûte cher un déménagement. 300 euros en plus les roues. Ça veut dire, les gars. Ça posait cuir, ça, Tony. 2000 euros. C'est bon, on y va? Barbara, t'es tombé dans le magasin avec? Tombé dessus comme une. Ah là là. Mais attends tout de suite, ça fait 5 secondes, est-ce que ça rentre à votre avis ou pas? Ah, peut-être, il y aura un tout petit, il y aura genre peut-être ça qui pourra pas rentrer. Bon bah c'est rentré au final. Du coup, pour le salon, je prends celui-là. 36 euros le pot. Et bien évidemment, il pleut, ouais. Le frigo, du coup je prends celui-là. Là je vais pouvoir mettre de la pisse pour mes invités, ça fera un beau petit prank ça. Et maintenant, on passe à la télé les gars. Bon ça y est, on a tous les meubles. Le frigo, la télé, le lit. Regardez, Yassia. J'ai ramené un truc. Ah ouais. Vraiment? Oui. Allez, c'est parti, on va faire la peinture. Pour l'instant, je suis à fond, je travaille de fou là. Là, je suis en train de mettre le scotch. Du coup, non, mais c'est une blague. Pas dépasser. Donc là, je vais monter la table. Et du coup, là, je suis à fond. Toi, tu vas monter la table? Oui, oui. Il y a le lit à monter. Après l'effort. Let's go, le réconfort. Par contre, je dis ça comme si on avait poussé de zinzin. Ouais, bon, j'avoue, pour l'instant, c'est moche. Voilà, c'est surtout Pio, j'avoue, qui a fait la peinture là. Ils ont pas tout fini, ils en ont monté un. Je veux pas tailler, mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait traverser les vis. On va se régalouse. Alors les gars, on fait quoi? J'ai pas d'idée pour le studio. Moi je dis tu mets un bureau avec un ordi. Ouais. Et après tu mets ta cam sur un trépied. Banger. Ouais. Deuxième couche. Ah ça rend bien là. Voilà, parce que là de base c'était vraiment un verre dégueulasse. Là ça rend un beau verre là. Et du coup de l'autre côté, vous l'avez vu dans le magasin, on va mettre ce verre là. Il sera sur ce mur là. Oh cette couleur dégueulasse là. J'ai des larmes. Oh tu m'as fait peur de fou. Donc là ce qui va se passer c'est... Ah ouais. L'autre peinture les gars, celle-ci là. Il va manquer de la peinture. Attention, est-ce que c'est bien ou pas? Ah, je sais pas. C'était beau avec le blond aussi. Ah non, c'est vrai que c'est beau aussi. En fait, là, les gars, vous allez peut-être vous dire « Ah, mais t'as fait une connerie et tout, c'est dégueulasse !» Je pense comme vous actuellement. Mais juste avec la décoration et tout ça, je pense que ça va rendre beaucoup mieux. Je suis en train de me rassurer, là. Non, en vrai, je pense que ça va être bien. Je vais lever la caméra en l'air et quand je la récupère, tout est peint. Et voilà! Moi j'aime bien la pièce en tout cas. Après on va passer là-haut les frérots. Vous avez toujours pas vu à quoi ça ressemblait. Regardez, ici j'ai une chambre d'amis. Ensuite ici les gars ça va être ma chambre. Mon lit c'est ça. Bon là il ressemble un peu à rien. Et c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout découvrir. Mon lit il est incroyable, je vous le dis, je l'ai payé 200 balles, ça fait mal de fou. Et là les gars une pièce que je n'avais pas pensé de base. Mais je suis trop content de l'avoir, vraiment. Les gars, il est 4h, on va dormir, on finit demain. Ah d'ailleurs les gars, regardez, je vous montre pas trop, mais dans la salle de bain, il y a une pièce en haut. Il y a une petite cachette secrète qui va se préparer. Dans les commentaires, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est le jour 2. J'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis en forme. Il est minuit 33. En forme? Ouais, trop mignon. Bah alors, qu'est-ce que vous faites là? Je viens d'emprunter le camion à mon père et mon oncle. Il est énorme, j'ai trop peur. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mangé de la peinture? Les gars, dernier plan que vous voyez de la maison avant que je monte tout le résultat final. Je suis en train de faire la chambre, voilà, je vous montre ça. Dans les commentaires, pour vous, c'est plus marron ou or? Après voilà, comme je le vois là, ici pour moi c'est le plus or. C'est or les gars, putain je crois que je suis daltonien, c'est pas possible. On se donne rendez-vous demain pour attaquer le studio, pour réfléchir au studio. Et vous allez voir la construction du studio, mais vous verrez pas le reste de la maison qui sera fini. Vous verrez toute l'intégralité finie avant que les invités arrivent. Parce que n'oubliez pas les gars, ce concept là c'est 48 heures parce que mes invités arrivent bientôt. Je stresse. Ah oh les sales. Vous êtes... Mec, dis-toi c'était la dernière fois que je t'ai fait peur au Allez.
je déprime, je vais en pleurer, gros. J'ai eu la peur de ma vie, maintenant tu me fais chialer, gros. C'est le bordel dans le studio. Brice, si tu vois cette vidéo là, ça le chien va regarder, il a laissé traîner son McFlurry dégueulasse. Vas-y, Pio. C'est bon? C'est la fin, ça y est. Oh non, c'est chelou. Oh putain. Je vide mon studio sans réfléchir. Parce que sinon, ça me fait vraiment premier degré mal. Ça me fait bizarre quand même, parce que c'était mon vrai premier studio de fou. Mais pour moi, ce local-là, ça a été un petit échec. Parce que j'ai pas évolué comme je voulais évoluer ici. Il y a des trucs que je voulais et qui sont pas vraiment réalisés ici. Mais j'en garde un putain de souvenir, c'était trop bien. C'était limite une coloc avec mes meilleurs potes. Waouh, ok, d'accord, waouh, ça merde. Il y a plus rien, mec. Les frérots, là je suis chez moi là, je viens de finir, 9h22. J'ai toujours pas dormi, je suis mort de fou. Content parce que là ça commence à prendre forme là, le salon. Les gars, j'ai trop hâte de vous montrer, franchement je kiffe de fou. Là je vais dormir 3h cette nuit pour charbon parce que les gars, demain soir il y a mes invités. Enfin, là ce soir en gros. Là, ceux qui ont reconnu ce décor, vous êtes des anciens de fou. Ceux qui n'ont pas reconnu, les gars, abonnez-vous. Vous inquiétez pas, c'est pas trop tard et vous êtes toujours les bienvenus. Ici les gars, on est chez mes parents du coup, dans la cave, là où tout t'as commencé les frérots, là où vraiment j'ai commencé à fond les vidéos YouTube. J'avais un décor avant, c'était Toy Story, et après j'ai fait celui-là. Et petite anecdote très courte, hein, je vais pas vous faire chier là-dessus, mais en gros j'avais créé ce décor parce que je me sentais mal dans l'ancien et j'étais pas bien, j'étais monteur vidéo, YouTube ça marchait pas du tout. Je me suis dit, je vais recréer un décor, ça va me faire du bien. J'ai recréé ça, mon père m'a aidé comme d'habitude. Encore une fois mes parents, merci à eux. Ils me soutiennent de fou mal à toute ma famille, même mon beau-frère là qui m'aide à fond de faire ça. Ça me fait bizarre, genre vraiment là, ah, je commence à avoir les émotions là, de me dire putain. Genre c'est là que ça a commencé chez mes parents et tout. Et là ça y est, c'est vraiment bientôt la fin de chez mes parents. Je pense que je réalise pas encore, mais quand je vais réaliser, ça va me faire bizarre. Faut que j'arrête là, je crois que j'ai... Ah putain, je viens de me prendre une claque dans la gueule. Je commence à peine à réaliser et je pense que quand je serai vraiment dedans, à mon avis... Regardez comment c'est une craque ma mère. Faut lui dire, dites-le dans les commentaires s'il vous plaît, vraiment. Regardez ça. Alors, mon préféré c'est celui-là, vraiment. Ça c'est une masterclass. Bah en fait c'est comme ce qu'il y a écrit là. Chez mes parents, c'est ciao. Mais je me rends compte à quel point j'ai eu énormément de chance dans ma vie d'avoir des parents qui m'ont soutenu de fou, les gars, mon père qui m'a aidé de fou et tout. Mais bref, en tout cas, bah merci à vous, papa et maman, si vous regardez la vidéo. C'est sûr que vous allez la regarder, vous êtes mes premiers fans. Et vous avez bah, littéralement changé ma vie, c'est grâce à vous tout ça. Sans vous, il n'y aurait rien eu. Bon, vous vous doutez bien de la couleur, comme d'habitude, c'est du jaune. Et bah non, les gars. Waouh ! Elle est incroyable. Il y a aussi du jaune, les frérots, mais c'est du jaune pastel. Allez, c'est parti. Je vais chercher mon sommier à Ikea, plus aussi mon plateau de bureau. J'ai aussi acheté des petites brosses à chiottes, parce que l'ancien locataire les avait laissées, mais ça me dégoûte, je vais pas les garder. Je voulais vraiment un décor plus simple que celui que j'avais avant, parce que je trouve que les studios superficiels avec plein de trucs et tout, c'est plus trop ce que j'aime. J'ai envie d'un truc simple, chill. Et, vous allez voir, je pense que vous allez kiffer. Faut vraiment que je joue avec la lumière à fond. Pas comme ici, actuellement, il n'y a aucune lumière. Je sais même pas si vous me voyez. Hop, un petit backflip. Allez, j'ai pas le temps de marcher. Les gars, vraiment, c'est hyper stressant. Il est 15h et le studio est pas du tout terminé. J'espère que ça va le faire. Putain, c'est bon les gars, j'ai tout trouvé. La petite plante bien mignonne, ça c'était pas prévu. Achat pas prévu. Donc il y a l'aspirateur. C'est trop, mais pourquoi vous avez fait tout ça? Ça c'est pour faire des ah mais oui, en plus je voulais l'acheter. Tes deux tapis mémoire de forme pour les pieds pour la salle de bain. Ah trop bien, c'est incroyable, mes petits orteils. Ça, comme ça. Un micro-ondes, il est pas ouf, mais franchement il y avait plus rien. Mais c'est un micro-ondes, Barbara, on s'en fout. Ouais. Allez, maintenant on a pas le temps, dépêche-toi. Il commence vraiment à me faire chier. Est-ce que tu penses que je vais réussir? Non. Est-ce que quand les invités vont arriver, tu penses que tout sera fini? Non. Je vais réussir, attends. T'as mal? Est-ce que je l'accroche dans le jardin ou pas? Oui, mets-le dans le jardin, oui, vas-y. Putain, ils sont là! Mais frérot, ça fait officiellement 48 heures que j'ai commencé l'aménagement de cette maison et ils sont déjà arrivés. Mais avant de leur ouvrir, je préfère vous montrer à vous la maison en avant-première. Je vous préfère qu'à eux, c'est la vérité. Ok, en premier ici, on a une salle de bain. Ici, vous avez la cuisine, les gars. La cuisine, franchement, je suis trop content. Rappelez-vous, la cuisine du 113, elle était horrible. Donc là, je suis content d'avoir de l'espace pour faire la vaisselle et un jet normal. Regardez, au 113, elle faisait... C'était horrible. Le meilleur ami de l'homme, lave-vaisselle. Oh là 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 là, plus de vaisselle à faire. Allez, on monte en haut les gars. Là vous pouvez mater. Là regardez en haut, j'ai mis des petits éléments de décor. Ici je vous l'avais dit,
il y a une deuxième salle de bain. Ouais, plus de ouf par contre. Ici, justement, cette salle de bain va être pour mes amis, la chambre d'amis. Ici, on n'a pas fait de peinture parce que bah c'était pas une pièce importante pour moi. Donc on verra peut-être par la suite si je fais un truc. Encore une fois, dans les commentaires, chaque truc que je vais vous montrer, si vous avez des idées pour améliorer les pièces et tout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai prêt à changer si l'idée me plaît. Ici, c'est ma chambre. Avec ce que vous allez voir en bas, je serai pratiquement jamais ici, les frérots. Je sais pas pourquoi, les gars, j'ai un truc avec le rose. J'ai galéré à le monter. J'ai qu'une envie, c'est de m'allonger, mais c'est pas le moment. La lumière, c'est pas un banger. Les gars, ici, je sais pas pourquoi, c'est l'une de mes pièces préférées. Voilà, là, 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 les gars. C'est dingue comment je suis heureux d'avoir ça. J'aurais jamais pensé dans ma vie avoir un aussi bon dressing. Là, regardez, du coup, ici, les petites étagères pour mettre les paires. Là, tu peux mettre ici les pantalons. Oh, c'est une dingue, en vrai. Suivez-moi sur Instagram et tous les jours maintenant, je vais vous montrer mon outfit ici. Et maintenant, on va en bas et là, préparez-vous. Là, les gars, c'est le salon. Et le salon, pied haut. On a charbonné le salon, la couleur, tout, on a fumé le salon. Je crois qu'on a tout mis dans le salon. Le studio, il est banger, mais le salon, il est fou. Les gars, je me sens tellement bien ici. Déjà, on commence ici. Ici, la télé, elle est énorme. Regardez, ma mère, elle est plus grande que moi, la télé. Et les gars, le canapé, il est banger, il est trop bien. Il est trop beau, je l'ai pris en beige. Par contre, on est d'accord que c'est plus du gris que du beige. Faut arrêter dans cette vidéo de dire que je suis daltonien. C'est du gris. C'est du gris un peu, c'est plus du gris. Oh, et là, on peut dormir ici, les gars. Puis, on a souffert, hein. Mais on est content du résultat. Ça, c'est incroyable. J'avoue, j'ai copié Pinterest, les cadres en noir et blanc et tout. C'est une dinguerie, j'aime trop. C'est des éléments que j'aime bien. Naruto, le skate. Ça, c'est ma meuf qui me l'a volé au McDo. Voilà, je la balance. Mais quoi ici? Oh putain, y a un truc de fou, hein. Tiens. Rien à voir, mais j'en profite pour vous dire abonnez-vous à la chaîne, les gars. On est logiquement pratiquement aux 300 000 abonnés. Venez, on va aux 400 000. Je compte sur vous, les gars. La petite partie, petite table à manger, les gars, pour chill et tout. Même pour taffer, hein. C'est trop bien, ça fait un peu un truc de coworking. En plus, il y a le Lox, un petit souvenir du 113, les frérots. Ah, bien évidemment, les gars, je ne pouvais pas y venir ici sans mettre le trophée. Je sais pas s'il va aller dans mon studio. Pour l'instant, je l'ai mis là parce que j'avais pas d'idée, je vous montre pas pour la vidéo. C'est ça que vous attendez. Je sais, c'est ça qu'ils attendent. C'est le studio. Les gars, le studio, le studio, le studio, le studio. Papa leur montrer ça. Je peux vous dire en tout cas que les couleurs, c'est banger. En gros, là, le studio, il est fini à 70%. On va devoir le finir demain. S'il n'y avait pas eu les invités, on aurait fini. Oui. Mais juste là, je vais pas travailler pendant qu'il y a les invités. J'avoue que j'étais un peu gourmand sur le fait de et vouloir faire un concept sur 48 heures pour changer toute ma maison et en plus de ça, faire venir des invités. Ne vous inquiétez pas, la vidéo n'est pas terminée. Demain, on va finir le studio, les gars. La vidéo sort demain. Et on finit le studio demain, les gars. On charbon encore, je vais pas dormir encore de la nuit. Je dormais avec Pio, on dormait quoi, 3-4 heures par nuit? Merci Pio. C'est le meilleur Pio. La dette, ça, sans lui, c'est impossible, le frérot. Incroyable. Il est temps d'accueillir les invités. C'est parti. Pas tranquille. Ouais, c'est stylé. En vrai de vrai, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Hein. Même chez moi, c'est mieux. En vrai de vrai, ouais. En vrai de vrai, c'est très bon, toi. Le mec, il a un dressing. Ouais, j'attends, t'as un dressing. Attends, mais ton dressing, il est trop bien. Oh, Big Flo et Oli. Le pan. Tim, tu me le donnes. Mec, dis-toi que je l'ai pas payé. T'attends un gosse. Il a trop de pièces. T'attends un gosse. Mais non, c'est le locataire. C'est l'ancien locataire qui a laissé ça aussi. Oh, il est beau gosse! C'est pour toi que je suis beau gosse. Vas-y, fais genre, t'as pas encore bu, c'est là. Ok. Vas-y, fais-moi une. C'est incroyable! D'où ça sort tout ça, on dirait même le même que l'ancien Lox. Il joue trop bien la comédie en vrai. On est en train de faire un petit jeu ce soir avec Timmoot. En fait, le but c'est qu'on déplace des objets dans la maison et le but c'est qu'il le voit pas. Genre par exemple, regardez. J'ai mis sa chaussure ici, j'ai mis un skate ici. Le but c'est qu'on déplace tous des objets un peu aléatoirement et il doit pas nous cramer. Ok. Ça te va? Trop bien. J'ai déjà mis deux skates dans le salon. C'est fini. J'en peux plus. J'ai un peu peur parce que c'est osé ce que j'ai fait. Ou la porte tous les jours jusqu'à Inox Tag. Go. Voilà, j'espère que vous avez kiffé les gars, je kiffe de fou, c'est trop bien. Moi je kiffe de fou les gars, du coup vous l'avez vu, hier il n'y avait pas les petits bouts de bois là. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, justement la réaction de Timmoot, Flo et tout ça, c'est maintenant. Oh, wesh. Vas-y. Rentre à la. Wesh, c'est vraiment la couleur. Mec, la couleur je kiffe trop. Wesh, tu me cadres là, attends, faut que je te paye après ou pas? Putain Flo, faut que je te paye, il y a des roues, j'ai plus rien en ce moment. T'es où? Non, mais ça. T'as payé nature quoi. Non, c'est... Je savais. Non, t'as pas fait ça. Putain, je l'ai dit, tu l'as dit, je l'ai dit. Mais t'aimes trop les glaces?
C'est quoi, c'est une saveur? Ouais. Les pots. C'était déjà très bien, mais là ça change tout avec ça là. On a galéré hein. Du coup, ça ressemble pas du tout à ce qu'il avait fait. Un peu quand même, mais on a galéré, mais au final je kiffe de fou, c'est une dinguerie, mais c'était une galère de fou les gars, vraiment. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Le petit trophée ici, dans le petit cadre, je kiffe de fou. J'ai pas encore d'idée par rapport à ce que je vais rajouter autour. Justement, c'est pour ça que je compte de fou sur vous là pour me conseiller parce que j'ai eu beaucoup d'inspi, mais là ça y est, mon inspiration les gars, ma créativité elle est morte, j'ai plus aucune inspi. Je pense qu'il manque un truc, une petite étagère ou un truc même ici. Ça je les ai coupés, ça se voit un peu, non? Les gars, la porte, vous avez 10 secondes pour reconnaître le dessin animé. Monstre et compagnie. Les fleurs sont un peu gaises, je les ai pris sur Amazon en mode banger. Elles sont trop bien. En vrai, ça va. Mais est-ce qu'on reconnaît que c'est Monstre et compagnie? Franchement, faut aller loin. Regardez, c'est beau gosse. Déjà là. Bon, les gars, j'ai pris un bureau blanc. 100 euros le plateau. Parce qu'il est arrondi. Je me suis fait un caprice, frérot, vraiment. En fait, je me suis dit à la fin, c'est l'un des derniers achats, je me suis dit, je suis plus à 100 euros près. 1, 2, 3. Oh, j'aime beaucoup. Oh, c'est. C'est trop beau. Oh, c'est archi beau. Le premier P de mon studio. Mais mec, j'adore. Et je vous en ai parlé au début de la vidéo, j'ai un jardin. Les gars, c'est une dinguerie. Est-ce que vous la voyez déjà ou pas? Construire une cabane dans les arbres en 24 heures. Il y aura trop de trucs ici, les gars. Et voilà comment j'ai eu ma maison de rêve en 48 heures. Un peu plus, soyez indulgents. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour cette aventure que vous me faites vivre. C'est une dinguerie, c'est en partie grâce à vous tout ça. Je suis trop content. Et go le million, les frérots. Bisous.